Bonjour mes chers élèves de deuxième année primaire, je vous présente cette fois les bonnes manières. Allons-y, on va découvrir ensemble la leçon d'aujourd'hui de communication. Alors, je suis poli avec les autres. C'est la leçon d'aujourd'hui. Alors, la question ici, c'est comment être poli? Comment être gentil? Comment être gentil? Comment être poli avec les autres? Donc, l'objectif ici, c'est d'avoir un comportement exemplaire dans toutes les situations. Alors, je coche les réponses correctes. J'accueille un ami pour la première fois chez moi. J'accueille. Regardons ici. J'accueille un ami pour la première fois chez moi. Alors, je lui propose de se mettre à l'aise, d'enlever son manteau, de se servir durant le repas. Ou je le mets mal à l'aise devant mes parents. Je me dispute avec lui, je lui dis je suis chez moi. Je l'ignore et je ne joue pas avec lui. Alors, j'accueille un ami pour la première fois chez moi. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement, je lui propose de se mettre à l'aise. Mets-toi à l'aise. Fais comme chez toi. Enlève ton manteau. Serre-toi. D'accord? Alors on dit tout simplement, je lui dis tout simplement de cette façon. Mets-toi à l'aise. Fais comme chez toi. Enlève ton manteau, s'il te plaît, serre-toi durant le repas. Alors, je le mets à mal à l'aise devant mes parents, non. Je suis pas d'accord avec. Je me dispute avec lui, je lui dis je suis chez moi, non. Je suis pas avec, je suis contre. Je l'ignore, je ne joue pas avec lui, non. Alors, la bonne réponse, c'est ça. Je lui propose de se mettre à l'aise, d'enlever son manteau, de se servir durant le repas. Les mal polis rendre visite aux bonnes manières. Elle entre sans frapper. Petit mal poli met les pieds sur la table et se précipite sur les bonbons. Maman mal polie visite le placard et papa allume la télévision. À ton avis, qu'auraient dû faire les mal polis pour se comporter correctement? Essayez de comprendre. Alors, il y a deux familles. Mal poli et bonne manière. Alors, les mal polis, ça veut dire la famille de mal polis, rendre visite aux bonnes manières. Mais il entre comme ça sans frapper. Petit mal poli, c'est un petit garçon, mal poli vraiment, met les pieds sur la table. Oh! Et il se précipite sur les bonbons. Et maman mal polie visite le placard et papa allume la télévision. Bon, à ton avis, qu'auraient dû faire les mal polis pour se comporter correctement? Alors, normalement, lorsque tu rends visite à tes voisins, par exemple, ou un ami, tu entres, mais avant cela, tu frappes à la porte ou tu sonnes et tu t'assois correctement. Et tu ne te précipites pas sur les bonbons. On te les propose. Alors moi, je rends visite à mon ami. Qu'est-ce que je dois faire?
Je frappe à la porte d'abord, j'entre poliment et je m'assois correctement sur la table. Et je ne me précipite pas sur les bonbons. Maman malpolie visite le placard. Alors, je ne visite pas le placard des autres. Et je n'allume pas la télévision des autres. C'est malpoli. Alors, on dit. Alors, je frappe à la porte, j'entre dans la maison de mon ami, je m'assois correctement, je parle peu, avec gentillesse bien sûr, je ne fais pas de bêtises, par exemple se précipiter sur le bonbon ou visiter le placard ou par exemple aller n'importe où ou allumer la télévision. Non, 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 non. C'est mal poli, c'est mal poli. Alors, jeu de rôle maintenant. Alors maintenant, jeu de rôle. Bon, il y a deux enfants. Le premier enfant frappe à la porte d'une classe. Toc, toc. L'enfant, hein, frappe à la porte d'une classe. Alors avant, c'est quoi être poli? C'est, il suffit de frapper à la porte, soit de la maison, soit d'une classe. Entrez! Lorsque vous entendez le mot entrer, alors vous entrez tout simplement dans la classe. Bonjour maîtresse, excusez-moi de vous déranger. La maîtresse Bouchra demande si vous pouvez lui prêter des marqueurs ou des craies. Répétez avec moi et essayez de comprendre. Entrez, c'est la maîtresse qui a dit ça. Entrez. Bonjour maîtresse. Excusez-moi de vous déranger. La maîtresse Bouchra demande si vous pouvez lui prêter des marqueurs. Bonjour maîtresse, excusez-moi de vous déranger. La maîtresse Bouchra demande si vous pouvez lui prêter des marqueurs. Si vous pouvez lui donner des marqueurs. Oui, s'il te plaît, va les prendre sur la table du fond. Merci, maîtresse. Au revoir. Au revoir. C'est ça la bonne manière d'être poli. Bonjour, maîtresse. Excusez-moi. Excusez-moi. Alors, cette expression vraiment très jolie. Excusez-moi, devez de ranger. La maîtresse Bourgeois demande si vous pouvez lui prêter des marques. Essayez de répéter plusieurs fois jusqu'à la maîtrise. Bonjour maîtresse, excusez-moi, devez de ranger. La maîtresse Bourgeois demande si vous pouvez lui prêter des marques. Vous faites plusieurs phrases de cette façon. Oui, s'il te plaît, va les prendre sur la table du fond. La maîtresse ici, la maîtresse Samira est vraiment très gentille aussi. Il dit oui, s'il te plaît, va les prendre sur la table du fond. Merci maîtresse, au revoir, au revoir, au revoir. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a bien compris la façon d'être poli avec les autres. C'est-à-dire... Et il ne faut pas, par exemple, si tu accueilles quelqu'un chez toi, tu ne le mets pas à l'aise, tu ne le mets pas mal à l'aise devant tes parents, ou tu ne te disputes pas avec lui, c'est impoli. Alors, ou tu l'ignores et tu ne joues pas avec lui, non? Non, 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 il ne faut pas faire cela. Il se fait tout simplement. Tu lui proposes de se mettre à l'aise. Mets-toi à l'aise, s'il te plaît. Enlève ton manteau, s'il te plaît. Serre-toi. Durant le repas, fais comme chez toi. Et tu peux aussi utiliser ces expressions. Excusez-moi de vous déranger, maîtresse. D'accord? Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Et on a bien compris. Je suis poli avec les autres. La prochaine fois, je complimente.
La prochaine fois, on va faire une leçon vraiment très intéressante pour vous, mes chers élèves de deuxième année primaire. Je complimente. Je complimente. Je félicite, c'est-à-dire. Bon, au revoir et à la prochaine.